Toi, tu es le bâtard de Ned Stark, n'est-ce pas? Quand Tyrion traite Jon Snow de bâtard, il se vexe. Il est considéré comme un bâtard parce qu'il est le fruit de l'adultère entre son père et une inconnue. Laisse-moi te donner un petit conseil, bâtard. N'oublie jamais qui tu es. Le monde ne l'oubliera pas. Porte cela comme une armure. Et on ne pourra jamais s'en servir pour te blesser. Qu'est-ce que vous savez de ce que ça fait d'être un bâtard? Tous les nains sont des bâtards aux yeux de leur père. En tant que nain, Tyrion est régulièrement humilié, on le traite de demi-homme ou de gnome, mais en l'acceptant pleinement, il arrive même à en tirer un certain avantage. Si je dis aux lignées de vous trancher en deux, il le fera sans y réfléchir. Ce qui ferait de moi le quart d'homme. Ce nouveau nom ne sonne pas aussi bien que l'ancien.